Salut à tous, c'est Sefi, bienvenue pour ce nouvel épisode du Guide des abeilles sur Forestry et Extrabiz. Alors aujourd'hui, nous allons commencer par parler des frames, si je n'en ai pas parlé la dernière fois, et ça va nous servir pour la suite, qui va être le début des croisements, comment effectuer les croisements, et ensuite nous verrons comment stabiliser une abeille, tout simplement une race d'abeilles. Donc on va déjà commencer par les frames. Alors qu'est-ce que c'est les frames? C'est ce qui va améliorer en fait la production. Ça se place ici, dans les apiaries. Vous les placez ici, vous pouvez en placer jusqu'à 3. Vous pouvez mettre les 3 mêmes, hein, ou en mettre plusieurs différentes. Ce n'est pas un problème. Et voilà ce qu'elles font. Donc les 3 premières ont le même effet, puisque ce sont celles de Forestry de base, hein, vous voyez. Et ici c'est Binicore, qui est tout simplement le core mode de Extrabiz. Donc les 3 premières, ce qu'elles vont faire, c'est multiplier la production de vos abeilles par 2. La différence entre celles-ci, déjà les crafts, hein, forcément ça c'est avec des sticks normaux et un fil au milieu. Celle-là c'est avec des imprégnités sticks, qui se font avec du seed oil, plus une string au milieu. Et celle-là, on peut les obtenir, grâce à Darkcraft, ok. Mais normalement on peut les obtenir, si vous n'avez pas Darkcraft, ce sera uniquement en les échangeant à des PNJ dans des villages ou dans les ruches dans les villages, tout simplement. Donc voilà, alors qu'est-ce qu'elles font? Elles multiplient par 2 et la production, et elles ont une différence entre le temps d'usage. Celle-ci va, la Untreated, qui est la plus simple à avoir, aura 80 usages. Donc un usage c'est un cycle, hein, donc ça fait à chaque fois qu'il y a un tick qui vient là, quoi, enfin que l'abeille perde la vie tout simplement. Je vais juste remettre ça. La seconde, qui est la Imprégnated Frame, aura 240 usages, donc 3 fois plus. Et celle d'après, ben, vous vous en doutez, elle aura 3 fois plus d'usages, ce qui donne 720 usages tout simplement. Voilà, maintenant voyons pour la Chocolate Frame. Alors je regarde en même temps pour pas me planter. La Chocolate Frame va augmenter la production de votre abeille de 50% et réduire son temps de vie de 25%. Ensuite on a la Restraint Frame. Alors ça c'est pour les empêcher de muter tout simplement. Donc temps de vie plus 50%, production moins 25%. Et chance de mutation divisée par 2. Donc voilà, moins 50%. La Soul Frame, ça c'est fait pour faire muter les abeilles tout simplement. Alors elles perdent 25% de temps de vie, 25% de production. Non, je dis n'importe quoi. Le temps de vie est réduit de 25%, la production est réduite de 75%, donc c'est vraiment pas pour faire de la production, et les chances de mutation sont augmentées de 50%. Ensuite nous avons la Restraint Frame. Elle réduit le temps de vie de 25%, la production de 25%, et la zone d'effet des abeilles, donc tel que le poison, comme je vous en avais parlé, de 50%. Voilà, tout simplement. Et on a la Healing Frame. La Healing Frame, elle augmente le temps de vie de 50%, réduit la production de 25% et le taux de mutation de 50%. Donc celle-ci, c'est pour augmenter le lifespan, en fait, le temps de vie. Voilà. Donc j'ai échangé Healing Frame et Restrain Frame. Ouais, c'est ça. Donc la Restrain Frame, c'est pour la zone et la... pour réduire la zone, et la Healing Frame c'est pour réduire la mutation apparemment, c'est bien ça. Voilà. Sinon nous avons la Nova Frame, qui n'est pas craftable. Donc je vais juste vous montrer les crafts. Donc la Chocolate Frame c'est avec du Cocoa Beam et une Imprégnated. La Restrain c'est une Iron Bar et une Imprégnated. La Soul Frame c'est toujours une Imprégnated avec de la Soul Sand. Et la Healing Frame c'est avec de la clay et une Imprégnated. Et la Nova Frame n'a pas de craft, puisque c'est une frame qu'on a en créatif et qui permet de monter le taux de mutation à 100%. Et ça réduit la vie de l'abeille à un seul tick en fait, à un seul cycle. Donc c'est
plutôt pratique. Faut avouer que c'est plutôt pratique. Voilà, alors, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport au frame? Alors, il y a des choses intéressantes. Il y a des choses intéressantes à faire. Par exemple, avec les chocolate frames, vous pouvez soit augmenter la production, soit vous servir de plusieurs frames en fait. Moi, ce que je. Oups, c'est pas ce que je voulais faire. Moi, ce que je faisais avec les frames, alors pour pas m'embêter quand je faisais des croisements, parce que les croisements c'est plutôt long. Tout simplement, alors déjà j'utilise des soul frames, hein, forcément. Donc on a les soul frames qui sont là. Alors, elles ne se stack pas, hein, ça peut être gênant, mais c'est comme ça. Voilà, et les soul frames, j'en ai pris un peu trop. J'en voulais que 6, ça on jette. Et ça aussi. Voilà. Donc les soul frames permettent d'augmenter les chances de croisement, d'accord? Alors moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai gardé deux ruches avec des forests et deux ruches avec des meadows. Donc c'est des stabilisés puisque les drones se stackent. Ils se restackent avec l'ancien. Ça veut dire que l'abeille est stabilisée. Ok? Ça c'est important à savoir. Vous voyez, ça se stack. Et vous verrez que ça paraît évident pour le moment, mais par la suite, ça ne le sera plus. Tout simplement. Donc voilà. Alors, les soul frames permettent d'augmenter, comme je le disais, le taux de mutation. Et les chocolate frames permettent, elles, de réduire le temps de vie. Alors, je me trompe pas. Soul frame. Donc, les chocolate frames réduisent le temps de vie de 50%. Et les soul frames, elles réduisent le temps de vie de 25%. Donc en gros, le temps de vie sera moins long avec une chocolate frame qu'avec une soul frame. Voilà, donc on peut utiliser les deux tout simplement pour augmenter la vitesse et le taux de mutation. En gros, comment vous expliquer ça? Bah, c'est tout simple. Pour moi, ce que je faisais, c'est que je mettais des chocolate frames. On va déjà se mettre en condition pour un croisement. Donc on va voir ce qu'on fait comme premier croisement. On va faire un croisement forest avec Meadows. Donc je vais juste attendre que les abeilles aient fini et je vous montre ce que je veux vous dire avec les frames depuis tout à l'heure et que j'ai du mal à vous expliquer. Ok, good. Donc j'ai utilisé des nouvelles frames pour les tuer plus rapidement. Donc en un coup. Alors ce qu'on va faire, c'est un croisement entre forest et Meadows pour obtenir éventuellement une commune. D'accord? Donc la common, je crois que c'est ça, hein, c'est une common que je veux obtenir. Je vérifie rapidement. Hop, la common, on la fait avec plein de sortes, mais nous on va le faire avec Forest Meadows, on a 15% de chance d'obtenir une common. Ok? Alors comment je vais effectuer mon croisement? Je vais prendre un drone d'une des races et une princesse de l'autre race, tout simplement. Et je vais les mettre ici. Voilà. Alors, il faut que ce soit des abeilles pures hein, pour vérifier. Voilà, enfin, vaut mieux que ce soit des abeilles stabilisées, hein, tout simplement. Alors là, on voit Hostile Environment. C'est tout simplement parce que je me suis mis dans la mauvaise limite du biome. Là, on est dans un biome désert. Et il faut que je me mette plus par là en fait. Je vais mettre ici. Je vais la mettre là. Je me suis mis bien en limite pour que ce soit pratique, mais il faut que je fasse attention. Donc, on va faire notre croisement ici. On va remettre le jour, parce que la nuit, elle ne travaille pas celle-ci. Et on va mettre ça là. Normalement, la fleur devrait être assez proche. Tiens, vous voyez que les fleurs, il y a des fleurs qui commencent à pousser. Hein. Elles étendent les fleurs, en fait, hein, sur leur zone de travail. Voilà, donc là, je pense qu'elle va commencer à travailler. Sans problème. Donc si on prend cette Meadows Queen, on va l'analyser, parce que là, il y a eu un croisement de fait. Et on voit qu'il n'y a rien, c'est Meadows, Meadows, donc on n'a pas encore de résultat à ce croisement, on ne sait pas encore ce qui va se passer exactement. Voilà. Donc ce qu'on pourrait faire, c'est attendre tout simplement que ça se finisse en mettant des soul frames. Voilà, ça réduirait de 75% leur temps de vie. Quand je suis pas là, quand je m'occupe pas des abeilles, c'est ce que je fais, je laisse des soul frames, et voilà. Mais quand je suis dans le coin. Moi, ce que je vous conseille, c'est de mettre des chocolate frames, d'attendre presque jusqu'à la fin, et au dernier moment, vous enlevez
vous enlevez votre chocolate frame, comme ça déjà elles sont produites plus et elles produisent plus, elles vivent moins, d'accord? Donc ça descend plus vite. Et en plus de ça, à la fin, vous enlevez les chocolate frames et vous mettez des soul frames à la place pour profiter du bonus de croisement qui n'a pas, enfin, qui ne proc qu'à la fin en fait, hein. Donc c'est quand elle meurt que les soul frames sont utilisés et ça vous évitera aussi d'utiliser des soul frames pour rien tout le long de leur vie alors que ça sert qu'au dernier moment en fait. Voilà. Donc je vais attendre, mais pas attendre qu'on soit presque à la fin, je vais vous montrer ce que je veux dire exactement. Je vous avoue que même comme ça, c'est plutôt long. Quand on en a plusieurs qui travaillent en même temps, c'est assez sympa parce que ça permet de regarder un petit peu partout, ce genre de choses. Et voilà, donc je vais vous parler quand même un petit peu aussi des petites précautions que je vous conseille de prendre avant de vraiment démarrer. Vous voyez que là, j'ai 64 drones, comme je vous disais, c'est stabilisé. Je vous conseille de faire ça, c'est-à-dire un gros paquet de drones avec des abeilles naturelles. C'est plutôt intéressant parce que ça vous permet de sauvegarder vos abeilles. Et ça, c'est quand vous commencez à vous lancer dans les abeilles, je vous conseille d'être organisé, tout simplement. Sauvegarder vos abeilles de base en gardant au moins une princesse et quelques drones vraiment purs que vous n'aurez pas mis avec d'autres abeilles pour faire des croisements bizarres et changer leur génétique. C'est assez important, ça vous permettra de ne pas vous planter, parce que c'est vite fait de faire n'importe quoi avec ces abeilles, tout simplement. Alors que là, par exemple, si j'ai 64, même sans la princesse là, si j'ai 64 drones forest purs, donc qui viennent de l'état naturel, ce que je peux faire, c'est que, par exemple, là, si je chope une princesse, comme on en trouve beaucoup, une Rocky Princess, ça on en trouve énormément. On peut la mettre ici. Voilà, vous voyez que là il va y avoir un croisement qui va se faire. Ok, bon d'accord, c'est fini. Pourquoi tu fais un croisement comme ça? Alors j'enlève ça, je mets mes soul frames à la place. Voilà, donc voilà, ce qui peut être bien, c'est de purifier les abeilles ensuite. Si par exemple vous avez perdu votre race de base, vous avez plus de princesse forest de base et vous en avez besoin, vous pouvez mettre n'importe quelle princesse avec tous les drones là, ok? Donc le stack de drones que vous aviez de forest de base. Et comment vous expliquer ça? Alors, est-ce que je peux... Je vais utiliser une Nova Frame pour vous montrer ça. Je vais utiliser une Nova Frame. En gros, vous pouvez faire ça. Vous les mettez ensemble. Et à chaque fois que vous allez avoir de nouvelles choses là, que vous allez avoir des... que votre abeille va mourir et que vous allez avoir quelque chose. Bon, là, on a une common, mais c'est pas ce que je voulais vous montrer. Vous remettez la princesse ici, jusqu'à ce que les drones commencent à se stacker. Et en gros, bah, la princesse va choper au fur et à mesure les gènes des drones qui sont là. Et vous retrouverez une princesse de base qui s'accorde avec vos drones, une princesse pure, tout simplement. Donc voilà, alors là, on a fait notre premier croisement. Alors on a obtenu deux common drones et une Meadows princess. Vous voyez que c'est capricieux. On n'obtient pas toujours ce qu'on veut tout de suite. Et du coup, on va se servir du Beelizer pour voir ce que ça donne. Donc on va déjà analyser la princesse qui est restée Meadows. Et vous voyez qu'elle a un gène actif Meadows, un gène actif Forest. Ok? Donc on va. Et pareil, hein, là on voit qu'il y a des mélanges, il y a des parties qui viennent de la Meadows, il y a des parties qui viennent de la Forest. Ok? Donc on va analyser ces trois abeilles et on va regarder un petit peu. Common Meadows. Ok? Donc c'est ça qu'il faut regarder quand on fait les croisements surtout. Et là on voit Common Common. Alors celle-là, c'est déjà une common complète. Ok? Donc c'est un common drone complet. Ce qui est plutôt pas mal. Alors ce que l'on va faire, c'est le mettre de côté. On va le mettre de côté. Et ce que l'on va faire, c'est qu'on va recroiser ensemble la Meadows Forest et le Common Meadows. Et on va voir ce que l'on obtient. Avec un peu de chance, on va obtenir quelque chose de sympathique. Peut-être un nouveau gène Meadows ou pas, hein, on verra bien. Et donc voilà.
Alors, on est déjà cultivated là-dessus, là on a. C'est à cause de la Nova Frame, mais ça vous arrivera jamais de faire les choses aussi vite parce que c'est juste à cause de la Nova Frame en fait. Hein. Créatif. Voilà, donc ce qu'on va faire, on va, comme je vous disais, on garde celle-là de côté parce que celle-là est très bien, hein. C'est une common, elle pourrait nous permettre. Si on en. Elle a les deux gènes, donc si on la croise avec quelque chose, elle risque fortement de donner une common en échange aussi. Là, on a un gène common, on a deux gènes forest, je crois, et un gène meadows. Donc c'est ces trucs-là qu'il faut regarder. Et plus vous mettez d'un gène ensemble, en fait, vu qu'il y aura quatre gènes pendant le croisement. Si vous mettez par exemple common meadows avec une forest common, vous avez plus de chances d'obtenir des gènes common en échange ici, en retour, que les autres gènes, tout simplement. Et c'est comme ça qu'on procède pour obtenir une nouvelle race. En fait, on essaye de sauvegarder un maximum ces species là qui sont là, ces deux gènes là. Enfin, les nouveaux gènes, ceux qu'on veut, quoi, hein, tout simplement. Si j'avais voulu du cultivated, je chercherais du cultivated ici, quoi. Voilà. Donc, je vais attendre que ça se fasse. Donc, histoire d'en discuter, là vous parlez, vous voyez, je vous parlais d'abeilles impures, on va dire, tout simplement. C'est parce que cette forest queen a plein de gènes pour le moment. Elle a du forest, elle a du common, ce genre de choses. Donc ça, c'est pas trop grave dès le moment où vous avez des drones et que vous voulez purifier, tant que vous avez un bon stack de drones. Normalement, il n'y a pas besoin d'autant, hein, pas besoin d'un stack, mais avoir le stack, c'est toujours bien. Dès le moment où vous avez un stack de drones pour purifier une abeille, ça va tout seul. Vous avez qu'à remettre la princesse à chaque fois jusqu'à ce que elle commence à créer des drones toujours les mêmes. Et il faut bien que ce soit les mêmes que ceux-là. Là, vous voyez qu'ils se stackent pas. Tout ça, vous pouvez jeter. Ça, c'est du bazar en fait, tout simplement. C'est du gros bazar. Ça, vous le jetez. Hop. Et au fur et à mesure, elle se purifie. Je vous montrerai sur les gènes après. Ça, on va juste attendre que ça se fasse. Pour que je vous montre un petit peu à quoi ressemble à la princesse. En prochain truc. Voilà. Et sachez qu'après on peut automatiser aussi hein, les apiaries. Hein. Je vous montrerai comment on fait. Peut-être en fin d'épisode, je pense pas. Là, vous voyez que ça se stack toujours pas, donc on va analyser et on va voir que les gènes ont évolué. On voit forest, forest, shorter, shorter, machin. Donc là, elle est proche d'être pure ou elle est pure, je ne sais pas. On va vérifier. Hop. On va comparer avec nos drones ici. En faisant comme ça, voilà. Donc là, elle semble presque pure. Vous voyez qu'elle a un gène impur là qui est nocturnal. Et c'est de cette façon aussi que vous pouvez obtenir de nouveaux gènes via forestry simplement. Via Extrabiz, vous vous embêtez pas à faire des croisements bizarres, à faire des essais. On a d'autres façons d'obtenir de nouveaux gènes. Donc voilà, alors on va remettre ça ensemble. Alors celle-là est analysée donc je peux plus la stacker. C'est pas grave, hein, celles-ci sont les mêmes. Ça enlever au fur et à mesure quand c'est. Sinon ça va être vraiment le bazar. Et voilà, donc au fur et à mesure elle rechoppe les bons gènes. Donc ici on a bientôt fini. Bientôt, bientôt. Voilà, donc qu'est-ce qu'on a eu ce coup-ci? Alors on remet notre common drone de côté, hein, le common. On a eu tout à l'heure. On va récupérer celles-ci, on va les analyser. Donc là, on voit Forest Meadows. Ça nous intéresse plus. Là, on a Common Meadows. Là, on a Forest Meadows. Donc, ce qu'on va faire, c'est relancer Forest et Common comme ceci et espérer obtenir une princesse avec du Common dessus. Tout simplement. Voilà, donc comme vous pouvez le constater, on a enfin une common princess. Alors elle est peut-être pas common pure encore, hein. On va voir. On va regarder sur le Biolizer, on voit common meadows. Hop, donc sur la princesse, c'est déjà une bonne chose. Ici on a du common meadows sur un drone. Ici on a du meadows forest, donc ça on s'en fout. Bon, on va le balancer. Ça, non, c'était pas une princesse, donc ça va.
Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va on va tenter maintenant. Là, on a un common drone pur. On va essayer de le mettre avec la common meadows. Et là, on a pas mal de chances d'obtenir une common. Pour les deux gènes, enfin pour le drone et la princesse. Ce qui nous permettrait de stabiliser la race par la suite. Pour ici, alors vous voyez que ça co il commence à y avoir des drones qui se stackent. Ah bah, ça c'est. Ouais, voilà. Donc si on regarde les gènes, on voit que l'impureté, on va dire, c'était pas vraiment une impureté puisque c'était plutôt cool comme gène, mais on a repurifié l'abeille. Donc maintenant, si vous regardez bien, les drones vont réellement se stacker. Voilà, tout simplement. Donc ici, on va attendre que ça se fasse. Ok, donc pour ici, vous voyez que ça y est, ça refait comme quand on avait la Forest Princess de base. Tout se restack ensemble. Voilà, on a une abeille, une Forest Princess stabilisée. Pourtant, comme vous avez vu, hein, je l'ai sorti de. C'était une Rocky Princess au départ. Donc voilà comment repurifier une abeille. Vous voyez, donc les drones de base sont réellement une sauvegarde de vos données sur les abeilles. Hein. Ça vous permet de tout garder. Ah tiens, bah, oui, c'est ici que j'ai pris les. Je suis un peu bête. Voilà, donc on attend ça et on se retrouve. Voilà, on va donc voir le résultat ensemble. Alors on voit qu'on a réobtenu une Meadows. Ce n'est pas forcément bon signe. On va analyser ce qui n'a pas été analysé. Là, on a encore une common. Donc c'est une bonne chose. Au niveau des autres gènes, tout est presque égal à part ici. On voit qu'il y a une petite divergence. Là, on a toujours common Meadows. Et là, on a une divergence aussi. Donc on va retenter tout simplement. Ici, on va regarder qu'il y a sûrement du gène common dessus. Ouais, il y a bien du common. Voilà, donc on va réessayer encore un coup. Ah oui, par la même occasion, là je vais changer et mettre de la chocolate frame. Tout simplement parce que j'ai plus besoin de mutations réelles. Donc autant privilégier la vitesse et éviter des mutations qu'on ne voudrait pas, tout simplement. Je pense que c'est mieux comme ça. Alors je peux pas vous le prouver, mais moi j'ai toujours fait comme ça et ça a toujours l'impression que ça allait mieux une fois que j'avais ma race à peu près. Je trouvais que les chocolate frames allaient mieux que les soul pour stabiliser. Ah, donc là vous voyez que c'est un petit peu. Ça n'a pas l'air évident. Ah, on a une princesse common. On a eu du Meadows Common ici, du Meadows Common, du Meadows Common, et là on a du Common Meadows. Donc là notre princesse c'est pas mal. C'est du Common Common, c'est pas dégueu. Ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre ça avec la Common Meadows. Et on va réessayer encore une fois. Alors, ça peut être long, hein. Honnêtement ça peut être très long. Comme ça peut aller bien. Ça dépend vraiment des fois. Un petit peu de chance de votre côté au départ si vous utilisez que Forestry il y a une très grosse part de chance. Donc ça je vais les virer, hop, et on va voir. Et ce que vous pouvez faire par exemple c'est faire deux breeding en même temps. Par exemple là ici j'aurais pu prendre une forest, la forest twin qui est là, j'aurais pu prendre la princesse et la mettre avec des Meadows drones à côté pour pouvoir faire fusionner les deux. Par exemple, si j'avais eu de ce côté-là une common princess common et ici un drone common, j'aurais pu utiliser les deux pour doubler mes chances en fait, tout simplement d'avoir les bonnes abeilles. Vous pouvez faire les choses en même temps, mais n'oubliez pas, il est important de bien vous organiser. Donc moi, ce que je fais généralement, soit je mets mes sauvegardes dans un coffre, soit je les laisse dans leur ruche de base et je les note. Tout simplement. Je sais que les drones là, je ne dois pas y toucher, tout simplement. Là, j'aurais pu faire pareil, puisque c'est mes Marchi, celles qui viennent des swamps. Donc, sauvegarde Marchi, par exemple. Par exemple.
Pour les martis, il faut des champignons pour les faire fonctionner. Donc comment j'ai fait moi? J'ai fait comme ça, tout simplement. Hop, vous mettez les champignons sous terre. Donc celui-là, il a poussé tout seul. Parce qu'il faut pas de lumière pour les champignons, donc je fais un petit test pour ceux qui auraient du mal. Mettez les champignons en dessous, vous êtes tranquille. Voilà, donc je vais attendre que ça se fasse encore une fois. Et on voit le résultat ensemble, bon ou mauvais. Encore une fois, on va regarder le résultat. Donc là, ça a l'air pas dégueu. Donc on a Common Princess, Common Drone et Common Drone. Donc c'est pas les mêmes, hein. Les drones ne sont pas stackés, donc elle n'est pas totalement stabilisée. Là, vous voyez que la Princess Common a des gènes différents, donc elle n'est pas stable. Tout simplement. Donc il faut regarder dans les deux premiers, hein, tout simplement. Alors là, on voit que tous les gènes sont pareils, c'est une bonne chose. Là, on voit qu'il y a une petite différence, slower, slowest. Donc ça, c'est la vitesse de travail, hein, speed. Et on va regarder donc sur les drones. On a slowest, slower, pollinisation, slowest, slower. Donc on a des différences aussi. Slower, slowest. Donc, là, on va pouvoir essayer, j'ai bien dit essayer, de choisir un gène. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre celle-ci, puisqu'elle a slower en actif, ok. Et on va essayer de la mettre avec la princesse qui a slower aussi en actif. Contrairement à celle-ci qui a slower en inactif, la pollinisation, on s'en fout. Du coup, ce que je veux obtenir, c'est ce gène-là. Speed, slower sur les deux. Là déjà la race elle ne changera plus logiquement. Donc on aurait pu avoir des problèmes avec ça. Et nous ce qu'on va faire c'est obtenir ce slower worker là sur les deux, sur les gènes actifs et inactifs, pour stabiliser la chose tout simplement. Et du coup bah on va essayer de mettre ces choses là ensemble. Si on avait eu du slowest sur les deux, on l'aurait pas mis. Ça c'est pour obtenir, essayer d'obtenir le meilleur parti des deux abeilles que l'on peut. Le meilleur parti possible de notre nouvelle abeille en fait, tout simplement. Donc on va essayer de les rendre slower au lieu de slowest. Slower c'est un peu plus rapide que slowest, voilà, tout simplement. Donc on va essayer de faire ça, ce sera plus simple. Et voilà, et ensuite on la stabilisera et on fera un max de drones pour sauvegarder l'abeille, hein, comme je l'ai fait. Comme je l'ai fait pour les autruches, hein, là on voit 60 drones, 60 drones, 60 drones. On va faire la même chose. Vous n'êtes pas obligé de passer par là, mais c'est quelque chose que je vous conseille très fortement. Et je vous conseille aussi, avant d'utiliser votre Common Queen pour un nouveau croisement, de faire comme j'ai fait ici, de prendre par exemple une Rocky Princess et de faire une seconde Common Queen, tout simplement. Ce sera plus simple pour vous quand vous aurez besoin de. Quand vous aurez besoin de repartir sur une nouvelle common, vous en aurez déjà une de prête. Et au moins vous êtes sûr de ne pas faire de bêtises. Voilà. Donc déjà on va passer à la stabilisation de cette abeille. Voyons voir ce qu'on a obtenu cette fois-ci. Alors, on voit qu'elle ne se stack toujours pas, donc c'est peut-être pas. Ah, vous voyez là on est encore slower, donc il n'a pas disparu, donc on a encore une chance de l'avoir sur la princesse. Ici on a slowest, slowest, donc c'est pas ça qu'on veut, et ici nous avons slower, slowest, donc on va réessayer slower, slowest, même si j'y crois pas trop, ça a l'air assez mal parti, ça a tendance à aller vers le slowest quand même, donc on va voir. Voyons donc encore une fois, alors cette fois-ci slower, slowest, encore... Slower, slower et slower, slowest. Donc ce qu'on va faire, c'est essayer de mettre le slower, slower avec le slower, slowest pour maximiser nos chances d'obtention. Voilà, alors là on voit que les drones se sont stackés. Ça peut être une bonne chose. Donc on a slowest, slower et slower, slower. Donc avec un peu de chance ce coup-ci. Ce qu'on va faire, vu qu'on a slower, slower sur les deux drones, et slowest, slower sur la princesse, donc slowest, slower, et là, slower, slower,
comme je le disais, ce qu'on peut faire, c'est appliquer, essayer d'appliquer un petit peu le même principe que la purification, mais sur deux drones. Donc en gros, mettre ces deux drones-là, la princesse ici, voir les résultats, bien sûr. Mais si la princesse n'est pas stable, on la remettra directement avec ce drone-là, qui est un slower, tout simplement. Voilà, comme ça on aura plus de chances de réussite. On devrait bientôt avoir réussi à stabiliser, et une fois que ce sera stabilisé, on arrêtera l'épisode, tout simplement. Une trentaine de minutes, c'est pas mal. Voilà comment on stabilise une abeille. Donc ça peut être long, hein. Comme vous le voyez, ça prend pas mal de temps. Mais après, avec l'habitude, et une fois que vous aurez passé un certain palier d'abeilles et de machines, vous verrez qu'il y a des techniques beaucoup plus simples que celle-ci. C'est juste qu'il vous faut quand même des basiques, des abeilles basiques pour pouvoir commencer les croisements. Certaines qui vont vous apporter les ingrédients requis, tout simplement, qui sont, comme je le disais, alors l'autre fois j'ai parlé de quoi? De la Industrious Bee. Voilà, la Industrious qui se fait avec Diligent, Unwary, qui se fait comme ceci. Donc vous regardez un petit peu ce qu'il faut, hein. Il faut de la Common. Donc vous voyez que c'est bien ce que je fais. Et il vous faudra donc l'Industrious et la Imperial. Alors pourquoi? Parce qu'elles vont vous donner les ressources nécessaires à l'obtention des nouvelles machines, qui vous permettront donc de faciliter votre vie, hein, tout simplement. Et en plus de ça, elles vous permettront d'accéder à plein plein de nouveaux croisements, puisqu'elles sont la base d'énormément de croisements. Voilà, par exemple la Marchi là, celle-là par exemple, je ne vais la croiser avec rien du tout tant que j'aurai pas ni l'Industrious ni la Imperial. Voilà, tout simplement. Donc je vous conseille de. Là, si vous commencez donc ceci, je vous conseille très fortement, si vous cherchez quelque chose à faire avant le prochain épisode et que vous attendez là-dessus, je vous conseille très fortement de vous attaquer à tout ce qu'il faut pour obtenir l'Industrious et la Imperial, qui vont vous permettre beaucoup beaucoup de choses. La prochaine fois, on va avancer un peu plus, hein. Là, c'était vraiment pour vous montrer en détail comment croiser une abeille ainsi que la stabiliser. Voilà. Donc on attend que ça se soit fini et on voit. Good. Alors on voit qu'on a encore deux drones qui se stack, une princesse. Alors ça, la Common Queen, ça c'est juste une copie, hein. C'était ça, c'est précaution personnelle. Donc là, on analyse la princesse et on voit qu'on a slower. Donc on a réussi à bien cibler le gène que l'on voulait. On va regarder tout de même sur les drones. Ils ont bien slower. Ils devraient se stacker avec celui-ci vu qu'ils sont analysés tous et qu'ils ont. Non, ils n'ont pas les mêmes gènes. Une petite différence quelque part. On va regarder où. Ah, pourquoi ils se stackent pas alors? De vrai. C'est pas grave, au fur et à mesure ils vont se stacker, faut pas s'inquiéter pour ça. On va mettre un de ces drones avec la princesse. C'est bon, normalement elle est bien. Elle a les mêmes gènes partout en actif et en inactif. Voilà. Donc là je pense qu'ils se stackent pas tout simplement parce que le nombre de générations en captivité est différent. Ce qui fait que les informations sont différentes aussi. Donc là, logiquement, on devrait avoir une abeille stable. Les drones devraient tous se stacker entre eux. Et on va pouvoir recommencer la reproduction de masse pour obtenir un bon paquet de drones et sécuriser, sauvegarder notre nouvelle spécie. Tout simplement. Et une fois que j'ai fait ça, là, tac, 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 alors je vérifie. Ouais, j'ai toujours une Meadows Princess stable. C'est mes sauvegardes ici. Et par la suite, donc, bon, je le ferai pas, hein, personnellement, hein, je vais me les give les abeilles, mais le prochain croisement, logiquement, ça devrait être cultivated, donc ce sera common plus forest ou marshy. Alors maintenant, il y a plein de. Avant, c'était common plus forest ou common plus meadows pour obtenir la cultivated. Donc voilà, je vous conseille de faire pas mal de drones, une cinquantaine de drones, vous êtes tranquille, même un peu moins de cette commune. Ensuite, vous refaites une nouvelle princesse commune,
Ou vous utilisez les drones pour le croisement. Bon, ça c'est faisable aussi, on pourrait utiliser la Forest Princess et la croiser avec les drones common qui vont résulter ici. Hein. C'est tout à fait faisable et c'est peut-être même une meilleure solution. Ouais, ce serait peut-être même une meilleure solution que de refaire une Princess common. Voilà, j'espère donc que vous avez apprécié, que vous avez bien compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Tout ce qui est question sur ce que j'ai pas encore vu, sur ce qu'on n'a pas encore vu, j'y répondrai pas, tout simplement parce que bon, parce que je vais le faire dans les autres épisodes, hein, c'est le but. Tiens, c'est con, je voulais vous montrer ça. Voilà, ici. Vous avez vu cette... je crois que ça vient de ça. Donc, si on prend un crafter... Petite parenthèse. On va prendre un crafter de forestry. On va casser ça et on va voir qu'on obtient un sapling. Vous voyez, c'est un sapling croisé. Voilà comment... vous voyez, des fois, il y a des feuilles différentes. Ça vient des abeilles qui ont pollinisé les arbres, on va dire. Tout simplement. Et ça peut créer un croisement. Donc ça, on verra ça dans un autre tuto totalement différent. Mais c'est comme ça qu'on... C'est en prenant le grafter et en chopant les feuilles un peu différentes comme ça qui apparaissent au fil du temps entre deux arbres que l'on obtient donc les nouveaux saplings. Voilà, on voit pas ça maintenant, c'est pas la peine, ça va vous embrouiller l'esprit. On en a déjà assez à faire avec les abeilles qui sont de loin les choses les plus compliquées à manier dans Forestry Extremis. Voilà, je vous dis donc à la prochaine, salut!